de l'idéal à l'intérêt. À l'heure où, dans un dernier souffle, le soleil embrase la mer, le solitaire en haut de la falaise est l'unique témoin de l'étreinte céleste. Dans la contemplation du silence, il entend la voix du monde en mouvement. Il sait que cet instant est déjà passé. Il souffre de trop savoir l'aveuglement des hommes. La lune déjà panse les blessures de ceux qui ont noyé la terre de leur sang, de ceux qui ont souillé leur âme par soif d'intérêt, de ceux qui ont noirci leur cœur de vengeance. Embarqué dans le voyage de ses réflexions, des larmes invisibles lui embrument le regard, lui qu'on appelle le voyant. Pourtant, il n'est ni un visionnaire, ni un prophète. Les paroles protectrices venues des cieux depuis longtemps ne se font plus entendre, depuis que les armes ont essayé de dompter la nature, depuis que le passé s'est perdu dans les méandres des sciences inquisitrices de traditions millénaires. Le solitaire, lui, a appris à voir les lettres sacrées en toutes choses. Il se rappelle les pas dans le désert qui ont marqué les pérégrinations ancestrales, gardiennes du secret jalousé. Sous couvert de grands théorèmes philosophiques empreints d'une modernité non maîtrisée, les croyances ont été saccagées, les femmes violées, les rituels bannis et le nom divin proscrit. Bientôt, le soleil caressera de nouveau l'écume marine de ses rayons chauds et réveillera la folie des hommes. Et le solitaire descendra de sa falaise pour tenter de révéler un peu de cette lumière qui brille en chacun et de l'élever dans le ciel plus haut que les étoiles, afin que chacun puisse enfin entendre avec le cœur et voir avec l'esprit. Thank you.